Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans la vitrine chez Artaud. C'est un espace, en fin de compte, c'est la vitrine évidemment, mais il y a un espace d'exposition aussi, tout de suite devant la vitrine, qui est plus petite que l'arrière-boutique, mais pour avoir des expositions plus courtes et plus nombreuses, en fin de compte. Puis aujourd'hui, évidemment, je reçois une artiste. C'est Maryse Choinière, en fin de compte, parce que Maryse, c'est une artiste multidisciplinaire, comme vous pouvez voir. Elle écrit et elle chante aussi, Marie-Arilla Nahanié. Et elle a fait un petit roman policier qui s'appelle Le bruit de la mouche. C'est quelque chose probablement à lire, c'est une belle intrigue. En tout cas, on va en savoir plus long dans quelques instants. Ici Luc Archambault, bienvenue chez Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus, pour nous connaître davantage, pour mieux travailler ensemble. Et c'est facile, vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités, et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Vous nous écrivez à production, à commercial, studio-saint-jean.tv. Bonjour Maryse. Bonjour Luc. Écoute, c'est une belle journée aujourd'hui parce qu'on vient voir, avant pas mal tout le monde, ton exposition dans Oui. la petite galerie chez Artaud. Oui. Écoute, moi je te connaissais sur d'autres disciplines. Oui. Là, On peut dire multidisciplinaire, je pense, multidisciplinaire, maintenant. c'est ça. Mais là, je m'aperçois aussi que tu es dans la peinture, mais en fait, c'est pas c'est de l'aquarelle. Ça, c'est la quoi? Oui. Présentement, là, c'est mes aquarelles. Des aquarelles. Oui. Mais tu fais-tu la peinture Je fais de la aussi? peinture aussi, toutes sortes d'expériences, là. Ouais, OK. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené à l'aquarelle? Qu'est-ce que tu aimes dans l'aquarelle? J'aime les couleurs. Les couleurs. Moi, c'est principalement ce qui m'a attirée. Tu m'as connue comme écrivaine, Oui, j'imagine, absolument, comme chanteuse Chanteuse, aussi. oui. Bon, puis, mais ça fait depuis que je suis petite que je dessine. OK. Puis, j'ai suivi des cours de toutes sortes de choses, de mandala, mais de dessin. Bon, puis OK. j'accumulais ça, puis j'en avais de plus en plus. Puis, à un moment donné, ben, j'ai toujours dessiné. OK. Ça, là, c'est des choses que je faisais même quand j'étais petite, là. Ah ouais? Oui. Je prends un crayon, puis je fais des formes, n'importe comment. Des fois, je me ferme les yeux, tu sais, puis Ah des fois, ça va poubelle. Mais ouais. après, ben, j'ai découvert l'aquarelle, les crayons, Le pinceaux, crayon pinceau, ben oui. aquarelle, Ouais. avec l'eau. Je m'amuse beaucoup avec l'eau. Oui. Puis en fait, ben, c'est ça. C'est, je dirais, une continuité d'une partie de moi que personne C'est connaissait. ça, non, C'est c'est ça. beau. Est-ce que moi, quand on rentre dans la petite galerie à l'entrée de Artaud, on rentre, c'est mon doux Seigneur, comment dire, quelqu'un qui a dit tantôt, qui est venu me visiter, il a Oui. dit, c'est vitaminé. Oui. C'est vrai que c'est comme lumineux, C'est vitaminé, coloré, en tout c'est cas. coloré. Mais c'est ça, c'est vraiment les couleurs que j'aime dans les aquarelles, là. Tu sais, comment on peut travailler, diluer, puis j'aime vraiment ça. Fait que, tranquillement, ça s'est accumulé. Ouais. Parce que là, il y en a, tu sais, j'en ai plus que ça, là, mais j'ai essayé différents encadrements pour Ouais. montrer comment ça peut être aussi. Présenter ou comment ça peut faire dans le salon ou dans le bureau Oui, tu sais, c'est ça. Puis là, il y en a derrière toi que c'est juste l'aquarelle n'est pas encadrée du C'est tout, là. ça, ouais. C'est ça. Fait que l'aquarelle, c'est un peu un bonheur, tu sais. Je m'installe, tu sais, j'ai toutes sortes de papiers, là. Mon prochain projet, c'est papier, là. Papier, ouais. Oui, parce que, bon, j'en ai beaucoup. Mais de toutes sortes, là, vraiment, vraiment. Puis j'aime vraiment les textures, puis c'est ça. Mais ça aussi, tu sais, c'est différents papiers. Moi, quand je les fais, c'est vraiment du papier aquarelle. Ouais. Mais ça a été réimprimé sur du papier torchon, toutes sortes Ah, de papiers ben aussi. oui. Oh, oui, c'est J'ai correct. travaillé aussi avec du papier dans les lampes, là, à l'intérieur. Il y en a des aquarelles, puis c'est des papiers oignons, là. Tu sais Ah, oui, on papier peut oignon, c'est. décalquer, là, tu Ouais, sais, ouais, là, c'est ouais. ça. Ah, oui, OK. Ouais. C'est vrai que c'est coloré. C'est très. Puis, moi, ça me surprend un peu. On se connaît un peu, puis je trouve que tu étais plus. Comment je pourrais dire? Je pensais pas que tu pouvais t'exprimer autant à parler couleurs parce que tu es plus réservé d'habitude. Oui, puis dans l'écriture, on va dire que je suis plus
sombres. Sombres, oui, 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 oui. C'est pas des histoires joyeuses, mais sauf pour mon livre pour enfants, mais quand j'écris pour adultes, pas des sujets. Tu parles pas aux mêmes personnes, là. Tu parles pas aux mêmes personnes, puis c'est pas la même partie de moi, je pense. Ben, on a toutes plusieurs facettes, quelque part. C'est le fun, tu peux les exploiter, tu peux les être. Oui, puis ça fait du bien, là. Samedi, je vais faire ça. J'ai commencé presque grand comme la table, un peu moins, là, sur un beau papier. Puis j'ai commencé à faire comme ma technique, là. Ouais. Avec un gros crayon feutre, j'ai mis une couleur sur une des formes. Puis je vais inviter les gens à venir peindre une. Juste une. À choisir leur couleur. Je vais faire ça samedi, puis si ça marche, on va continuer dimanche. OK. C'est bon, parce que je suis ici. Une œuvre collective, quasiment. C'est ça. Ou participative. Participative. C'est ça. Je me dis, bon, les gens, c'est le fun. Puis en même temps, je peux expliquer comment je travaille. Ben oui, absolument. Moi, ce que j'aime de l'aquarelle, c'est la façon que la couleur, puis le papier, la façon que ça réagit. On dirait des fois que ça se dilue, ou des fois ça dépasse les lignes, mais... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça qui est le fun, j'ai le droit de dépasser. C'est ça qui est le fun, ça dépasse. Ça donne une émotion différente. Ça donne Oui, tu sais, puis c'est pas, regarde, tu sais ça, t'en vois là, qui dépasse, puis ça m'énerve pas. Tu sais, quand on colorie, quand on était petit, là, tu sais, il fallait pas dépasser. Fait que ça, c'est... Je trouve que, en tout cas, c'est libre. C'est plus libre. C'est libre. Effectivement. C'est ça, c'est ça. Ça me rend joyeuse aussi, tu sais, parce que travailler avec des couleurs comme ça qui sont vibrantes, ça ne peut pas mettre triste, là. Ça ne peut pas mettre triste, non. Ça ne peut pas mettre triste du tout. Puis c'est une belle matière aussi, le papier à aquarelle. Mm. Puis là, une autre affaire que le monde peut-être ne savent pas, mais pas tout le monde, c'est que tu as fait de la chanson, évidemment, mais tu as surtout chanté Rila Lanier. Une poétesse de Saint-Jean. Absolument. Qui est allée vivre ailleurs, qui est revenue, puis que malheureusement, on ne connaît pas beaucoup chez nous. C'est vraiment dommage. Parce qu'elle est aussi connue, tu me disais tantôt, elle est aussi reconnue qu'un autre poète, en tout cas. Canébert, entre autres. Ben oui. Bon, qui est notre grande poète. C'est ça. C'est ça. Mais Rina Lanier a fait partie de la même mouvance. C'est ça. C'est ça, avec Alain Grandbois, d'autres grands poètes québécois qu'on... On les connaît pas. Non, on les connaît pas, sauf quelques-uns. Puis je dirais, Anne Hébert, on la connaît parce qu'elle est allée en France. Puis elle a été encensée en France. Tandis que Rina Lanier, elle a voyagé, là. Ouais. Mais elle a habité, est née à Saint-Grégoire, elle a habité à Saint-Jean, mais elle a habité longtemps à Joliette. Ouais. Une magnifique bibliothèque, Rina Lanier, à Joliette. Oui, c'est ça. Puis sa poésie, moi, je pense que peut-être pour une des raisons pour laquelle on la connaît moins, c'est que, tu sais, elle était quand même née en 1900, c'est un peu que je me rappelle, mais il me semble que c'est 1900. Ouais, au début du siècle. 1910, en tout cas, au début du siècle. Faut que je ravive ma mémoire un peu. Puis, il y avait quand même, au début, elle écrivait du théâtre. Puis c'était du théâtre, je dirais, un peu religieux. Aujourd'hui, elle écrit quelque chose aussi, s'il y avait des liens avec les Autochtones aussi, je pense qu'aujourd'hui, elle serait très bien, mais bon. Mais en même temps, puis sa poésie, il y en a qui vont la qualifier de croyante catholique ou je sais pas, mais c'est pas vrai, c'est spirituel. Moi, en tout cas, c'est sûr qu'elle utilise un vocabulaire des fois qui est religieux, même dans certaines chansons. Ouais. Mais ça peut être dans certains poèmes qu'on a choisi de mettre en chanson, mais ça peut être interprété vraiment tout à fait autrement. Moi, Rina Lanier, c'est une grande amoureuse. Ah. C'est bon, ça. C'est très beau. Oui, c'est vrai, c'est très beau. Des poèmes d'amour, en tout cas, ça peut s'adresser à son Dieu ou peu importe, là. Ouais. Mais c'est vraiment beau. Fait que c'est ce qui nous a amené, Valérie, Laë et moi. Moi, je choisissais les poèmes, hein, c'est un peu ma formation, donc ça, tout ça. Puis j'arrivais à Valérie, puis je chantais, j'avais la musique parce que la poésie de Rina Lanier est très, très musicale. OK.
Fait qu'il y avait déjà... Tu donnais le ton à Valérie, puis elle composait... Des fois, je chantais juste un petit bout, puis là, elle se mettait au piano. Puis à un moment donné, elle me dit, ben là, t'es pas mal toujours... Moi, j'étais tango, je sais pas pourquoi. Ah. Rina Lanier, elle m'emmenait vers le tango. Ah oui, OK. Fait que, maintenant, elle dit, peut-être qu'on devrait changer un peu. Ouais. Mais il y a du tango, c'est ça. Il y a différentes formes musicales. Oui, c'est vrai. Dans l'album, c'est ça. J'avais assisté à un de tes tours de chant, effectivement. Puis, c'est l'idée, tu sais, la spiritualité des textes de Rila était de son époque. Elle ne pouvait pas être d'une autre époque. Là. Fait que c'est ça qui t'intéresse, cette époque-là. Mais heureusement qu'on peut facilement la transposer ou la mettre en rapport avec la spiritualité. Avec nous, c'est ça. Puis moi, ce que les gens, en tout cas parce qu'on a eu l'occasion de quand même chanter... À quelques reprises, c'est juste que quand on a sorti l'album, un mois après, c'est la pandémie, hein, fait que tout était annulé ou reporté à je sais pas quand. Mais les gens, ce qu'ils nous disaient, c'est que, tu sais, la poésie, là, c'est comme, les gens ont peur un peu de la poésie, ont peur de pas comprendre. Ils ont peur de pas comprendre. Puis une fois mis en chant, en chanson, tu sais, parce que moi, je donne un sens. Ouais. Tu sais, avec Valérie, la musique, on y donne une direction. Oui, ben oui, tu l'interprètes. Puis oui, tu sais, puis ben, quand la poésie, ça se lit pas en silence dans ma tête à moi, ça se lit. Ça se lit tout fort. Ça se lit tout fort, même en berçant, je te dirais. Oui, mais il y a un rythme. La poésie, rythme, c'est de la musique. C'est de la musique, oui. Effectivement, c'est ça. Fait que j'ai adoré faire ça. J'aimerais ça continuer à en faire d'autres, mais. On verra. Ben oui. Mais là, on a quand même 12 chansons. Là. Ça a pris trois ans, en fait. Ouais. Ben oui, c'est le temps que ça prend pour... Fignoler. Sur l'album, quand Valérie puis moi, on fait le spectacle, on est toutes les deux. Oui. Mais sur l'album, il y a Robert Lenne qui a ajouté toutes les instruments. Robert Lenne, t'es là-dessus aussi? Oui. Ah ben lui, il joue tout. Ben oui. Fait que chaque pièce a un instrument ou deux instruments différents. C'est bon. C'est un bel album. C'est un bel album. Oui, puis la photographie, moi je pense, la photographie, mais l'objet aussi. L'objet aussi. Tu sais, la photographie de couverture, c'est la famille Lanier qui me l'a offerte en exclusivité. Mmh. Ouais. Puis là, bon, tout le si on veut, c'est pas un boîtier, parce que je voulais pas de plastique, là. Non, mais non, c'est... L'enveloppe, je dirais, c'est ça, c'est Capucine Labarthe qui me l'a fait. C'est une designer qui vit à Berlin. À Berlin? Ben, oui, mais qui travaille aussi à Montréal, de là-bas. Puis elle fait des boîtiers, des trucs d'albums pour des chanteurs québécois aussi. Ça, c'est déjà... Toi, ton exposition commence aujourd'hui. Oui. On est le 2 novembre aujourd'hui, en passant. Puis, ça dure jusqu'au 19, Non, moi, c'est court. Ici, c'est court? La petite galerie, c'est 4 jours. 4 jours? 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK. C'est les heures d'ouverture de chez Artaud. C'est ça. Mais moi, je suis pas là de 10h du matin. Je suis là les après-midi. Oui. OK. De midi à 4h. Oui. Tous les jours, Donc, ils ont encore quelques jours. Ben aujourd'hui, demain, là, puis ce soir, il y a un beau vernissage. Vernissage de l'autre côté, une belle exposition. Puis samedi, dimanche, je suis là, la fin de semaine, pour parler de ma façon de travailler, mais un peu d'autres choses aussi dans la vitrine, complètement différents. Effectivement. Puis, ben, ça rejoint un peu... ce qu'il y a au musée aussi, qui est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai, partie de moi qui est dans le béton. Dans le béton, oui. Parce que la légende que j'ai travaillée, en tout cas, c'est vraiment drôle, mais rapidement, la dame, il y avait des vols de cadavres, en tout cas, puis quand... Ça part de ça, puis même dans Le Devoir, il y avait une grande page à la une du Devoir, il parlait de ça, mais tu sais, ça avait rapport un peu à l'Halloween aussi, mais c'est vrai, les vols de cadavres, puis quand la famille a découvert qu'elle avait été volée, puis qu'elle était, là, est pétrifiée, parce qu'ils mettent je sais pas quoi, là, pour... Ouais. Puis, ils ont eu peur quand ils l'ont réenterré. Ah oui. Ils l'ont coulé dans le ciment pour pas qu'elle revienne. Fait que moi aussi, je riais, là, tu sais. Okay. Puis donc, mes toiles sont
peintes avec du ciment, avec du ciment. Toutes sortes de textures aussi, de l'acrylique. Là, je travaillais pas avec avec l'aquarelle, là, mais de l'acrylique, de la cire à plancher. Ah, OK. Oui, oui, pour que ça tienne, là. Oh, oui, oui. J'aime explorer. Ben, c'est ça que j'aime faire. Je comprends donc. Ça, c'est au musée, c'est vrai, c'est au musée avec l'exposition Mythes et légendes. Oui, c'est vraiment le fun. Ça, ça dure jusqu'au mois de mars. Ça, oui, c'est vrai, ça dure jusqu'au mois de mars. Oui. Okay. Puis il y a vraiment des belles, plusieurs légendes, là. Il y en a une dizaine. Plusieurs légendes, oui, effectivement. De toutes les couleurs, je dirais. De toutes les couleurs. On pense pas. C'est parce que ça vient du. Comment je pourrais dire, c'est des contes populaires, en fin de compte, qui viennent expliquer des histoires, des choses. Il n'y a pas de télé dans ce temps-là, fait qu'on s'inventait des histoires. Absolument, absolument. Puis il y en a plusieurs ici dans la Haute-Richerie. Il y a plusieurs, oui. Effectivement. Oui. C'est une belle visite à faire aussi. Absolument. Oui. Mais c'est là, c'est ici. Du 2 au 5. Tu veux m'étirer ce coup-là? Excuse-moi. Ben, demande, on va demander, est-ce qu'on peut... Non, tu sais, ça roule quand même ici beaucoup. Ça roule, là. Ça roule. Mais la petite galerie, c'est toujours 4 jours. C'est ça. Donc, d'ici la fin de la semaine jusqu'à dimanche, là, on est le 2. Donc, le dimanche, c'est quelques jours plus loin. C'est ça. On va venir voir tes œuvres, oui. Jaser avec toi. Oui, absolument. Puis aussi, tu as parlé de tes livres. De l'album, de mes livres. J'ai apporté mes livres aussi. Tu as emmené aussi ton book de... J'ai emmené mon portfolio, aussi, de mes originaux. C'est ça. Que je garde, précieusement. Oui. Donc, on souhaite, on invite tout le monde à venir te voir. Bien sûr, c'est bienvenu. Il me semble que c'est, tu sais, je trouve que l'aquarelle aussi, c'est accessible. C'est accessible. Tu sais, il y a quelque chose d'amusant qui raconte une histoire. Effectivement. C'est puis, c'est des belles couleurs vivantes. Tu sais, on commence à l'arrivée vers l'automne, ça se grisonne un peu. Ici, ça va vous donner de bonne humeur. Oui, c'est le but. C'est le but. C'est le but. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, bienvenue à tout le monde. Puis, merci encore à toi. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Écoutez, cette petite entrevue-là, s'il vous plaît, partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent passer d'ici la fin de la semaine, voir les œuvres de Marie, puis mettre le sourire dans le visage, justement, parce que c'est joyeux. Et d'ici la prochaine entrevue, portez-vous bien. Bye-bye.